Coucou les enfants! Alors voilà, j'ai rangé différemment ce que nous avons trouvé sur les autres vidéos. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Singulier, pluriel. Pronom personnel singulier, pronom personnel pluriel. Au futur, les verbes que l'on a vus avant, avoir, être, aller, faire, venir et dire finissent tous de cette manière-là. Maintenant, je me pose une question. J'aimerais savoir si c'est la même chose pour les autres verbes. Par exemple, pour le verbe manger. Je voudrais savoir pour le verbe ouvrir. Placer. Jouer. Chanter. Parler. Porter. Est-ce que ça marche pareil? Essayons. Alors, au futur, donc, admettons demain, dans un an. Allez, dans un an, je... Qu'est-ce que je dis à la fin? Hey, vous avez trouvé! Je mangerai. Ça marche. Pour ouvrir. Oui, j'ouvrirai. Ça marche. Pour placer. Oui, je placerai. Bravo. Et tiens, est-ce que ça marche pour jouer? Je jouerai. Oui, très bien. Vous voyez? Je placerai. Je mangerai. Je jouerai. Continuons. Chanter. Je chanterai. Porter. Je porterai. Parler. Je parlerai. Alors oui, pour tous ces verbes, la terminaison fonctionne pour je. Pour tu, vérifions. Tu mangeras. Tu ouvriras. Tu placeras. Très bien. Et ça marche. Allez, c'est à vous de dire « je ne dis plus rien » comme vous avez vu. Et c'est à vous de dire le verbe. Donc, on est avec « il » ou « elle ». Vous choisissez. Alors, ça marche bien. Essayons avec nous. Bon, essayons avec vous, ré, à vous. Et pour finir, essayons avec il et elle, avec un S, avec rond, ou NT du coup. Eh bien oui, pour tous ces verbes, ça marche aussi.